Salut à tous, c'est Rise of. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo KVK, l'épisode 2. Le commencement, après les présentations, c'est un peu vraiment le début, un peu l'ambiance qui se met en place parce que ça va vraiment pas tarder à friter. Il faut savoir qu'on vient de prendre les portes de niveau 5 et que va y avoir enfin les premiers fights entre nous, entre notre royaume et le royaume des JWM. Même s'il faut savoir que dans notre royaume, ça va être les Meo et les JWM qui vont se fight. Mais en tout cas, ce sera pareil parce que dès que vous voulez vous combattre, notre royaume passera dans le clan des Meo. Des choses comme ça, des choses dont tous les royaumes ont l'habitude de faire. Mais juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais savoir si vous voudriez des petits streams sur ces fameux hôtels pour voir un peu la baston que ça va être. Je vais sûrement aussi y participer, même si je vais me faire déglinguer avec mes 12 millions, mais histoire que j'y participe un peu. Et Yoshino aussi va y participer, et après on verra un peu comment ça se déroule, et surtout comment ça va se passer, parce que je pense que ça va être vraiment épique. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu si ça vous tente qu'on fasse des lives et un peu plus d'épisodes dessus. Je pense que je vous sortirai des petits exclus, des petits hors-série tout au long du KVK pour quelques petites choses qui sont diverses et variées. Je vais voir ce que je peux vous proposer en hors-série. On se retrouve sur les chroniques du royaume perdu sur le crépuscule. Alors nous étions au droit du sang ancien, on l'a fini, on a contrôlé la forteresse de croisée de votre royaume, tout le monde l'a fait ça, tous les royaumes obligés. Votre alliance a détruit 50 forts de barbares niveau 6 ou plus, ça aussi pour une alliance qui farme un minimum 50 forts niveau 6, ça se fait super facilement. Surtout ça, sans jamais une clé en or pour ça, c'est vraiment donné, ça fait vraiment plaisir. Votre alliance contrôlait un point de contrôle niveau 4 à la fin du chapitre, ça aussi tranquille, donc 1000 GM, ça fait vraiment du bien. Et 3 clés en or, c'est toujours cool. On a débloqué les hérons enfin. Votre alliance contrôlait un héron à la fin du chapitre, 1000 GM, 5 clés en or, toujours aussi bien. Et on débloque les portes de niveau 5. On verra un petit truc aussi par rapport aux portes de niveau 5. Elles ne débloquent que certaines choses et après il faudra passer à la porte de niveau 6 pour débloquer d'autres choses. Je vous montre ça juste après. Votre alliance contrôlait un point de contrôle niveau 5 à la fin du chapitre. Alors je sais pas si mon alliance va l'avoir, je pense. Mais en tout cas, ça ferait 1000 gemmes et 5 clés en or. Et après, on débloquera les fameuses ruines anciennes. C'est pas des hôtels, c'est des ruines anciennes. Je sais plus trop à force. Mais c'est là où va se passer les fights avec les JWM. Même s'il faut pas oublier le royaume d'à côté. Mais ce ne sont pas les plus puissants. Personnellement, les plus puissants dans ce royaume, je pense en termes de plus grand nom, il y a les JWM et après il y a les GSB, hashtag B. Mais c'est surtout en termes de clans que je ne connaissais pas, c'est les 44KM. Ils sont trop forts et c'est des farmeurs, ils abusent totalement, vraiment. Je vous montre vite fait un peu parce que c'est vraiment abusé ce qu'ils ont fait dans roulement. D'abord on voit les plus gros joueurs, donc là on voit un JWM, Maverick. Et là direct un 44, et c'est surtout en termes d'alliance. Ils sont premiers. Ils ont mis une tôle d'un demi-million de points au JWM. C'est qu'en fait, ils sont pas des quelques personnages qui vont aller super haut, truc de malade. Ils ont tout le monde qui farme énormément et ça fait une puissance de malade. Alors c'est peut-être eux qui vont vraiment dominer, mais ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que pour l'instant, on est toujours premier avec 200 000 points d'écart. Mais il faut savoir qu'on est toujours premier devant les 1244. Les fameux, on leur a mis 200 000 points d'avance. C'est pas grand-chose à ce niveau-là. Franchement, en une journée, on prend, je ne sais pas combien de points, mais des centaines de milliers. Ça peut aller très vite, mais j'espère vraiment qu'on va gagner cette première place. Ça ferait extrêmement plaisir, et surtout en termes de réputation, c'est vraiment beau. Alors je vous montre la porte de niveau 5 qui a été prise. Bon, il y a déjà du monde devant, ils attendent que ça, c'est dans un peu de temps, mais ok. Donc la porte de contrôle de niveau 5 qui a été prise avec les fameuses ruines anciennes au milieu. Les gars, ne vous inquiétez pas si la vidéo s'arrête d'un coup. C'est juste que j'ai eu un petit problème au niveau de l'enregistrement de la vidéo. Mon programme a totalement déconné, a craché. J'ai pas compris pourquoi. Du coup, je vous fais la fin parce que je voulais encore vous montrer l'hôtel, les ruines anciennes, là où le fight va se passer. Et vous redemander, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec le live, le stream sur cette bataille qui va être vraiment folle et qui va durer longtemps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît, le concept de la série du KVK vous plaît énormément avec tous les retours que je vois. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir tous vos retours. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. C'était Rise of. Ciao.